Salut tout le monde, c'est Dalia. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 16e épisode de Pokémon Lune en Let's Play Découverte. Et du coup, alors, qu'est-ce que j'ai fait entre l'épisode? Alors, pas grand-chose. Je suis allé, eh bien, là, vous saviez, où je vous ai dit, ah, j'irai plus tard et tout. J'y suis allé, j'ai récupéré les objets, j'ai combattu les dresseurs. Et en fait, je suis arrivé dans une grotte après, donc partir d'ici, là où vous voyez la petite flèche rouge. Et en fait, ce sont des ruines, sauf que il faut une Pokémonture spécifique pour y accéder. Donc je suppose que ce sera plus tard. Et enfin, je suis également allé ici. Là, c'est bouché, il y a une barrière. Et sinon, ici, il y avait une dame avec des Pikachu, elle m'a donné la Pikazélite. Pikazélite du coup qui est uniquement utilisable sur Pikachu qui est là et qui donc transforme l'attaque Electacle en capacité Z. Et du coup j'ai pas de Pikachu donc on s'en fiche. Et nous on va dans la boutique de Alexia Tarinorb. Cher Dalia, Tarinorm et Choupi quand ils gardent la maison, n'est-ce pas? Enfin bref, j'ai dû m'absenter, rejoins-moi aux ruines de l'éveil, au-delà de la colline Memento. Allez, à toutes. Ah! C'est justement là où je suis allé pendant le offline. Je voulais juste parler aux gens, Tarinorm. Est-ce que tu me laisses y aller? Une potion? Potion max? Ok. Alors, ah, Heather contre Skull, grenade à la team Skull. Rendez-nous ce Pokémon immédiatement. Ne prends pas la tête, ouche. On va te faire ta fête, ouche. On va se faire un max de pognon en vendant ce Pokémon. Vous êtes pas content, c'est pareil. Par contre, si vous avez vous voulez qu'on règle ça par un combat, y a pas de souci. Ne te laisse pas intimider, bon sang. Directeur, sauf dans ce respect, vous parlez beaucoup, mais dès que ça chauffe. Il n'y a plus personne. Est-ce une manière de s'adresser au dernier pilier de la fondation Isel? T'as rendu compte de ce que se produirait s'il m'arrivait quelque chose? D'accord, c'est... Ouf, une dresseuse, tu tombes bien. Donne une bonne leçon à ces fripouilles de la Team Skull. Pour la justice, pour la gloire, pour moi! Ah non mais... Please quoi. T'es prête à te battre? Parce que moi, j'étais déjà prêt au combat dans le ventre de ma mère. Ok. Doudou. Ratatac. Ça tombe bien, tu es type ténèbres. Tu vas prendre ta piqûre à 1000%. Ah non, mais même mieux. Puissance cachée. En plus, ça nous indique du coup que c'est super efficace. Ah bah oui, c'est x4. Hein. x4 dans tes dents. Oh! GG Plankton. Allez, terminé avec puissance cachée. J'ai mis à Plankton l'Evoluroc du coup, vu qu'il n'a pas encore évolué. Quelqu'un nous a donné l'Evoluroc. Je ne sais plus qui, mais je l'ai. Donc je l'ai mis. Tritox 24. Il va prendre rebondi feu. Bon, ouais, si tu veux. Place de doux parfum vu que ça sert à rien. Ok. D'où elle s'est débrouillée? D'où elle me met une dérouillée? Tenez-le, votre Pokémon, on n'en veut pas et bonne chance pour vous en occuper. Piouf, c'était moi une. Bon. Merci pour le coup de main. Jeune fille, c'était absolument épatant. Tu fais le tour des îles, c'est ça? Décidément, ces jeunes ne cesseront jamais de m'impressionner. Pour te remercier, je voudrais t'emmener quelque part. Oh, c'est une surprise. Mais rien de presse. Termine d'abord tout ce que tu as à faire à Akala. Ensuite, viens me retrouver au club Ano Ano. Je te ferai découvrir un lieu paradisiaque. Je n'en dis pas plus, c'est... Ramblos, va bien, quel soulagement. Heureusement que tu étais dans le coin.
Et bonne chance pour ton tour des îles. Merci. Je sais ici les ruines. Alors, c'est toi la morveuse, donc la duo parlait. T'es qu'une gamine, tout ce qui a plus de banal en fait. Bon, non, moi c'est Apocine. Je roule pour la Team Skull. Les autres Lascars m'appellent Sista Apocine. T'as dû le remarquer toi aussi, ils ont tous deux de QI. Mais c'est justement ce qui les rend si attachants. Faut que je les protège, te pige. T'attaquer à mes Lascars, c'est comme t'attaquer directement à WAM. La Sista Apocine. Elle veut se battre. On se fait râle-tôt. Ça tombe bien. On a étincelle. Par contre, s'il nous fait une attaque vol, on va moins kiffer. Mais on va étincelle quand même. Il fait onde folie. La lourdeur. Et l'étincelle qui passe. Pouah ! Ça fait des dégâts, un plancton, hein. Ah, le tranchère. Mais on tank. C'est vrai qu'en fait on est x1 au vol. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse le double type électrique. Électrique insecte. Hein. On est faible au feu, à la roche, en fait. Hurlement non. Ah, Tritox. Bon, Tritox, par contre, c'est une autre histoire. Donc, Gribouille me semble correct. Ouh, tiens, Chromiquet. Ils ont le même niveau. Allez, Chromiquet, go. Première fois qu'on envoie Chromiquet. Alors, au bout du feu, il va la prendre très bien. Bon, pas très bien. C'est pas ce que j'appelle vraiment très bien, mais ça passe. Gaz toxique. Ton broche. Boum. Ouah. Les dégâts. Scandaleux. GG, Chromique. Je te promets, des fois, je te prendrai plus. C'est pas mal pour une morveuse. Mais si tu touches encore un des cheveux de Melascar, tu vas comprendre ce qui t'arrive. Ouais. Il parle beaucoup pour pas grand-chose. Hein. Les ruines de l'éveil. Dahlia, auprès d'elle. Et Lily. Tiens, je te ramène Lily. Elle s'était encore perdue. C'est là où elle voulait aller au tout début, quand on est allé sur cette île la première fois. La musique est très, très mystérieuse, très spirituelle. J'aime beaucoup. Apparemment, elle devait retrouver quelqu'un à l'hôtel des Ombres. Mais au lieu de ça, elle est tombée sur la Team Skull et a dû s'enfuir. Sur ce, je file. Le match de Royal Mask va commencer. Je ne veux pas louper ça. N'empêche, je brûle de savoir. Qui peut bien se cacher sous le masque de Royal Mask? Ah! Je tenais à venir ici pour mon petit doudou. Même si, comme tu as pu le voir, je n'aurais jamais y trouvé mon chemin sans l'aide du professeur Paprenel. Oh... Ton pauvre Chrysapile a l'air un peu patraque. Laisse-moi le soigner pour toi. Merci. Au fond de ces ruines vit Tocopillon, le Pokémon gardien d'Akala. Pillon. Ah, mêlé, tu m'as guidé jusqu'aux ruines du conflit. Qu'est-ce que ces ruines et leurs gardiens peuvent signifier pour toi? La dernière fois, nous aurions été dans de beaux draps si tu n'avais pas été là, Dahlia. Piou. Ah, le petit Alixia et son déhanché. Tiens, bonjour. Toi aussi, tu es arrivé sur l'île avec Ophorb, n'est-ce pas? Oui, je m'appelle Lily, je suis l'assistante du professeur Ophorb. Et voici Dahlia. Ah, où ouais, ai-je la tête? On s'est vu à l'embarcadère, mais je ne t'ai même pas demandé ton nom.
Là, tout de suite, je faisais un brin de ménage dans les ruines. C'est Tocopillon lui-même qui m'a confié cette tâche. Dahlia, quoi qu'il en soit, merci de prendre le temps de découvrir les habitants et les Pokémon d'Alola. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Des filles Kiowawe et Barbara m'ont dit que tu avais réussi leur épreuve haut la main. Ça veut dire qu'il ne te reste plus qu'à relever LA grande épreuve, MA grande épreuve. Que dirais-tu d'achever ton épreuve sur l'île d'Akala par un duel contre sa doyenne, c'est-à-dire moi, Alexia? Avec plaisir! Parfait, mais attention, je ne suis pas du genre à retenir mes coups. Mes Pokémon de type roche ont l'air mimi, mais ce sont des durs, littéralement. Ouais, la doyenne de type roche, ça va être compliqué. Oh là là, ce bouti. Taridor. Ok. Donc, on a Plankton qui va pouvoir faire des puissances cachées de type combat. Ah ouais. Ça fait pas grand-chose. Mais lui non plus. Et c'est super efficace. Bon, nous aussi, tu me diras, c'est super efficace. Étincelle. Je sais pas si ça fait plus en vrai. Ah si, un peu. Un peu plus. Elle a 3 Pokémon aussi. En plus, je peux paralyser. Ouais. Taridor, ça rappelle Roxanne. Je sais pas si elle utilise une potion. Ah! Le PV. Critique. Ouais, une super potion. On va soigner aussi. Nous, on se soigne full vie du coup. Alors, hyper potion. Ouais. Boum. Allez, étincelle. On va y arriver, on va y arriver. L'Evolurock va nous gagner, va nous faire gagner ce match. Plus qu'une étincelle. Allez, Taridor, il est KO. Non, t'es sérieux qu'il lui reste un PV? La poisse, mais il a raté. Tant mieux. Allez, puissance cachée. Total soin. Bon, bah ça c'est... C'est un objet mis à la poubelle, ça. Hein. Tant mieux. C'est quoi la suite? Ah ouais! La bonne ambiance. Alors on va se soigner, voir, parce que je sais pas trop combien il va me faire de dégâts. Je pense qu'il va me taper plus fort qu'un... comment dire, qu'un Taridor, mais bon. Ah ouais, ah d'accord, ah oui, elle utilise la force Z. Ah oui, bon bah... Apocalypse gigalactique. Bon bah je pense que Plankton va mourir. Hein. Je t'aimais bien, Plankton. Il a résisté! Merci les Evolurock! Allez, hyper potion. Maintenant il peut plus la faire, donc ça c'est bien. Voilà, il a jet de pierre maintenant. Qui me fait la moitié de ma vie. Voilà. On peut gagner! Mais le truc c'est qu'il faudrait que j'arrive à le paralyser. Déjà pour être plus rapide.
Là, il a fait morsure. C'était l'erreur de sa vie. Bon, on va tenter la puissance cachée qui est super efficace. Il a raté jet de pierre. Allez, plancton. Si je gagne avec ce Pokémon, c'est quand même quelque chose. Allez. Étincelle fait 3 fois plus de dégâts. Presque. Allez. Non, hyper potion, non. Super potion. La dernière. Hop. C'est tendu au niveau point de vie. Allez. On va pouvoir le tuer. Sauf si crit. Oh non. Crit. Ok. Plancton. Rip. Rip plancton. Ok, ok. Bon, on en envoie magnifique. Magnifique fait le taf, je pense. Allez, on va faire châtiment, bien sûr. Il est plus rapide. Ouh, oh, la vache. Il a pas les Volurock, hein, lui. Hein. Magnifique. Il a 132 PV, il a pris tellement cher. Géolite. Bon, je pense qu'il va tomber KO quand même, hein, notre Pokémon. Je vois pas trop comment faire, là. On va le soigner pour voir quand même, voir ce que Gigalith va faire. Ah, c'est pas Gigalith, c'est Géolite, pardon. Ça fait mal. Faut pas qu'il fasse 5 fois. Ok. Ok, ok. Bon, on va pouvoir faire un châtiment. Ça a pas de défense spéciale, Géolite. Ok. Allez, fais que 2 fois. Que 2 fois. Ah, 2 fois, je crois qu'il tue, là. Non. Oh, dommage. Dommage, on a pourrait gagner avec Magnifique. Mais on s'est fait mettre KO. Allez, Gribouille. Et Gribouille va prendre cher aussi. Hein. Donc, malheureusement, on va faire morsure, quoi. Hein. Et la trouille. Bon, allez, force Z. On va essayer de tuer avec pyro-explosion cataclysmique. Allez. Même s'il résiste l'attaque. C'est du 120 stabé. Allez. Du coup, c'est plus fort que morsure. Oh! Ça a quasiment fait les mêmes dégâts que morsure. C'est pas top. Ah! Non! Ah ouais, ah le type rush, c'est la PLS. Hein. Non, non, le speedrun, déjà, elle, c'est sûr que ça va être un run killer. Hein. C'est totalement clair. Bon, on va gagner parce qu'il y a Chromiké derrière et qu'elle a plus d'objets de soins, quoi. Mais c'est chaud, quoi. Non! Mais non, mais non! Il n'y a que 5% de chance de rater ton rush et bien sûr, on rate. Du coup, on envoie tous les Pokémon qui servent à rien d'habitude. Ouais, j'utilise pas de rappel, bon, c'est pas grave. Hop, feinte, et voilà. C'est bon. Quel combat incroyable. Oui. Plus le défi est grand, plus la victoire est belle. Ce fut un combat acharné, mais vous vous êtes surpassé, t'es pas qui va toi. Tiens, tu l'as mérité. C'est le cristal Z de type roche, aussi appelé Rocazélite. Ok. Pour utiliser la force Z de type roche, tu dois reproduire ce mouvement.
Tout est dans la précision et la puissance du déhanché. Alors ouvre ton œil et le bon. Allez, montre-moi le déhanché, s'il te plaît. D'accord. Utilise cette technique à bon escient. Ah, les Pokémon de type roche. Une peau dure et résistance, une force physique hors du commun. Tout le contraire de moi, mais c'est justement ça qui m'attire chez eux. Ce qu'il a doudou. Piu. Tu es content, c'est ça? Lily, la question va peut-être te paraître idiote, mais j'aimerais savoir. Si tu n'es pas dresseuse, que viens-tu faire aux ruines de l'éveil? Je suis ici pour Doudou. Il vient d'un endroit très lointain et j'aimerais le ramener chez lui, mais je n'ai aucune idée de comment faire. Vu qu'il avait l'air intéressé par les ruines, je me suis dit que j'y trouverais peut-être un indice. Ah, voilà un drôle de Pokémon. Le souci, c'est que Tocopillon, le gardien qui habite ces ruines, est aussi un Pokémon sauvage et parfois dangereux. Seuls les Pokémon aussi forts que lui peuvent se permettre de l'approcher. Piu. J'ai bien peur que ce ne soit pas le cas de notre ami ici présent. Ne vous en faites pas, je suis sûr que de votre voyage vous réserve encore son lot de surprises et de belles rencontres. Viens Lily, je vais te raccompagner en ville. Ça me touche que tu veuilles aider un Pokémon alors que tu n'es pas dresseuse. Compte sur moi pour t'épauler du mion que je... peux. La maladie. Bonjour madame Alexia, moi c'est Tilly, je viens de Lily et je veux faire un combat contre vous. Oh, salut Dahlia. Le monsieur de la fondation Isère avec ses grosses lunettes vertes, il a dit de venir au club ado ado après la grande épreuve. Pas vrai? La fondation Isère? Dahlia, je ne sais pas ce qu'il te veut, mais amuse-toi bien là-bas alors. Si tu veux pas perdre ton temps, appelle à Dracofeu pour retourner à Hoholoale. Tu n'auras plus qu'à traverser le pont auprès du cri, après le cri pour arriver au club ado ado. La fondation Isère? Je vais rester ici pour assister au combat de Tilly. Je déteste voir les Pokémon se rouvrir, mais d'un autre côté, je sais que vos Pokémon sont taillés pour le combat. je suis peut-être aussi pas aussi balèze que Papé, mais je peux compter sur Eflèche et toute mon équipe pour donner leur maximum. Tilly, tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit d'autre. Oublie que tu es le petit-fils du doyen de Mélé-Mélé et bats-toi de toutes tes forces, avec tes propres armes. La plage. On peut utiliser... Ah mais on peut utiliser l'eau classe. Du coup, il y a des Pokémon. Et même des dresseurs. What the fuck. Ah, le concombre. Et c'est la capture. On a un concombre. Alors lui, je prends pas dans l'équipe par contre. Je suis pas Mazo. Il a pas du tout de stats offensives. Hein. C'est un Pokémon uniquement pour se sacrifier en fait. Ok. Non. Ah, tu ne m'as pas eu. Je suis allé plus rapidement que toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Ah, c'est avec le Pokémon de sable! Ouais! Bacabou! Bacabou! Et c'est capturé! On a le Bacabou! Magnifique qui passe 30. Ok. Et c'est enregistré. Ok, easy. Donc, attention au sable, du coup, vu qu'il y a des Pokémon. Ah, attendez, j'ai vu un truc là. Comment on fait? Voilà. Un petit, petit être de Zygarde.
D'accord. D'accord. Faut trouver 6 cocombafres. Un soda cool. Vous savez balancer le cocombafre à la mer. Les pauvres. Maître nageur. Je crois que c'est le quatrième là. Ah, encore un truc de Zygarde. Ok. Hey, Sina qui t'appelle. 10%, je vois. Tu ne comprends pas ce que signifie ce pourcentage. Si tu veux en savoir plus, davantage, retrouve-moi dans la base Ether sur la route 16, Doula Oula. Tu es sur la bonne voie. D'accord. Ils sont où les cocombafres? Ah, il y en a un là. Et le dernier, il est là. Et voilà, on les a tous balancés à la mer. Alors, est-ce qu'il va nous donner une récompense? Ou on va se faire foutre? Oui. 20 000 Pokédex. Ah oui, je veux faire ça tous les jours, hein. Ah, je veux devenir ça, je veux faire ce métier professionnellement. C'est pas possible. C'est scandaleux. Bon, nous on va sauvegarder, on va se laisser là dans ce 15e épisode, ou 16e, je ne sais plus. Mais on se laisse là. Des bisous tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et le pouce bleu, bien évidemment, comme d'habitude. Bye bye à tout le monde, à la prochaine.